STV, votre télé. Il est 19h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord, les titres. 1er mars 2017, le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, commémore ce jour la journée mondiale de la protection civile. Et le thème choisi pour l'édition 2017 est « Ensemble avec la protection civile face aux catastrophes ». À suivre dans ce journal la liste de quelques grandes catastrophes ayant secoué le Cameroun. Et puis, début du carême ce mercredi. Les chrétiens catholiques du monde entier ont pris ce jour le top départ pour une période de 40 jours. Ils se sont donné rendez-vous ce mercredi de cendre dans les différents lieux de prière. 40 jours de jeûne, de prière, mais également 40 jours pour être plus généreux. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. C'est le journal sur Spectrum Télévision. Tous concernés par les catastrophes, c'est sensiblement sous ce thème qu'a été célébrée ce jour la journée mondiale de la protection civile. Un thème qui en appelle à une synergie d'action dans la gestion des catastrophes. Justement, dans la capitale économique du Cameroun, les populations seront sensibilisées aux notions et techniques de premier secours. Olivier Bouzique. Sensibiliser les populations sur les premiers secours, former les jeunes sur le code de la route, tels sont entre autres objectifs visés à travers la célébration de la journée mondiale de la protection civile ce 1er mars 2017 à Douala. On joue ce rôle de sensibilisation des usagers de la route pour qu'ensemble ils maîtrisent les modalités de premiers secours, qu'ils savent que pour prendre la route, pour prendre le volant, il faut se former dans les institutions, il faut se former dans les auto-écoles. Il faut passer devant le jury de l'examen de permis de conduire pour avoir votre permis de conduire. Et il faut respecter le code de la route. Cette journée a été instituée par l'Organisation internationale de la protection civile depuis 1990. L'idée étant d'assurer la protection et l'assistance aux populations face aux catastrophes naturelles et celles causées par l'homme. En 2016, le Cameroun a enregistré plusieurs cas de catastrophes qui ont coûté la vie à des centaines de personnes. Dans les incendies, les effondrements de bâtiments, accidents de circulation et autres. Je pense qu'on pourrait développer davantage le rayon formation, qui est un rayon qui fait partie de ce qu'on appelle la prévention. Et je pense qu'au niveau des formations, un effort pourrait être fait pour emmener plus de personnes civiles à avoir les gestes qui sauvent, c'est-à-dire savoir comment ranimer une personne, savoir comment éteindre un début d'incendie. Ainsi, il ressort de cette rencontre entre les acteurs de la protection civile et les populations de Douala qu'il est fondamental d'installer des dispositifs sécuritaires dans leur environnement, appeler immédiatement les secours en cas de détresse, mais surtout à prendre les techniques de premier secours. L'édition 2017 de la Journée mondiale de la protection civile est placée sous le thème « Ensemble avec la protection civile face aux catastrophes ». On reste dans la même logique, la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, vous l'avez entendu tout à l'heure. Le thème est en relation avec les catastrophes, occasion saisie par notre reporter Inès Choutmoun-Pangan pour revenir sur quelques grandes catastrophes qu'a connues le Cameroun. Reportage. Succession de malchance ou acharnement du sort, ce 21 octobre 2016, la question vaut son pesant d'or, 4 mois après la catastrophe des Eka. Tout commence à matinée avec cette route coupée sur la nationale numéro 3 entre Yaoundé et Douala au niveau de Mayaï. L'axe très fréquenté, de nombreuses personnes à la recherche d'autres alternatives sur rue vers la gare ferroviaire. Devant le fort afflux de voyageurs, les responsables de la Camerail décident d'ajouter 8 voitures au train 152 qui comptait habituellement 9, portant le nombre de passagers à près de 1300. Le déraillement survient à 13h30 près de la gare des Eka sur le carreau, 79 morts et 551 blessés. Bilan officiel contesté par certaines organisations.
Une commission d'enquête est mise sur pied, présidée par le Premier ministre avec un délai de 30 jours pour présenter les résultats de son enquête. Au rang des responsables, le ministre des Transports affirmant que c'est Camrail qui avait aidé en interne d'augmenter la capacité des trains. Le groupe, quant à lui, estime que le train roulait vite et les conducteurs que le système de freinage était défaillant. 19 ans avant, le 14 février 1998, 200 personnes perdent la vie en Sam, une banlieue de Yaoundé. À l'origine, un incendie des wagons citernes de la société camerounaise des dépôts pétroliers SEDP qui s'était accidentellement renversé sur des rails. Remontant encore plus dans le temps, le 21 août 1986, une explosion inhabituelle dans le lac Nyos, région du Nord-Ouest, laisse dégager un gaz qui tue près de 2000 personnes. Selon les autorités en charge de la protection civile, le Cameroun a connu au moins 3 émanations de gaz, 3 éruptions volcaniques, 3 destructions par des pachydermes entre 1984 et 1999, 16 tornades, 9 glissements de terrain, 5 conflits armés, 6 inondations graves et plus d'un millier d'accidents mortels. Pour toutes ces catastrophes, le Cameroun a dépensé environ 5 milliards de francs CFA. Construction du barrage hydroélectrique de Mainveleu, l'État du Cameroun entend de nouveau emprunter de l'argent à la Exim Bank. La signature de l'accord de prêt pour ces travaux, c'était hier, mardi 28 février 2017, dans la région du Sud. Martin Lemba pour les détails. S'il est établi que la construction du barrage hydroélectrique de Mainveleu en lui-même en est pratiquement à la fin, quoique quelques travaux restent à finir pour un taux de 95%. Les travaux avancent considérablement et s'agissant de l'usine, on est pratiquement vers la fin. C'est vrai que des 4 turbines, 2 ont déjà été installées, 2 sont en voie de l'être. Ça veut dire que pour ce qui est de l'usine elle-même, je peux dire la fabrication de l'énergie, nous sommes pratiquement vers la fin. L'évacuation de l'énergie électrique qui y sera produite pose encore des problèmes à l'État du Cameroun qui souffre d'un manque de financement aggravé ces temps-ci par la chute des coûts du pétrole et la guerre contre Boko Haram, entre autres. L'énergie étant pour la croissance économique ce qu'est le sang pour le corps humain, l'État du Cameroun s'est une fois de plus tourné vers Exim Bank pour solliciter 83 milliards de francs CFA, auxquels s'ajouteront 15 milliards de l'État du Cameroun pour le financement total de ces travaux-ci, qui justifie la signature de l'accord de prêt ce jour 28 février à Niabizan entre le Minepat et le directeur général de la dite banque, des travaux dont l'importance est avérée et l'achèvement prévu en mai 2018. C'est la ligne, de manière globale, c'est la ligne et les postes qui vont acheminer l'énergie de Mambélé jusqu'à Yaoundé. Alors c'est une composante, c'est qu'il n'y a pas eu de financement. Et les lignes iront jusqu'à probablement octobre 2018. Seulement, une question reste en suspens. Quelles sont les conditions pour la finalisation du prêt dont seulement l'accord a été signé ce jour? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable était face aux hommes et femmes de médias de la capitale politique du pays. C'était hier mardi. À l'ordre du jour, le bilan du Cameroun à la 13e conférence des partis à la Convention sur la biodiversité tenue il y a peu à Cancun. Et les pierres conduisaient une délégation de 8 personnes. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter. Il s'exprime au micro de Mireille Siadji. Le ministre camerounais de l'Environnement, une fois de plus, a été à l'honneur à l'occasion de la cérémonie de vernissage des posters à la foire de bonnes pratiques et d'expérience en communication, éducation, sensibilisation. La participation et la contribution du Cameroun à la COP 13 des partis à la Convention sur la biodiversité peuvent être décrites comme ayant été un succès sans précédent. L'impact de l'engagement politique élevé du Cameroun a été remarquable avec la présence du ministre de l'Environnement comme chef de délégation camerounaise. Le ministre du Cameroun était le seul ministre de la région Afrique centrale présent à ses assises et a donc joué le rôle majeur pour le Cameroun et la sous-région, l'Afrique. Le rôle de chef de file du Cameroun était remarquable dans la coordination des groupes africains où le Cameroun.
115 milliards de francs CFA, c'est le montant de deux conventions de prêts destinées à la construction des logements sociaux et d'une base industrielle au Cameroun. Les dites conventions ont été signées ce jour entre une banque italienne et le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Pour lui, Paul Motazé, il est question de renforcer les liens d'amitié entre le Cameroun et l'Italie. D'ailleurs, je vous propose d'écouter cet extrait recueilli par Mireille Siabdi. C'était attendu depuis longtemps. On se disait, c'est tout. Elle représente donc l'aboutissement d'un long chemin que nous avons parcouru ensemble. Le projet de construction de 10 000 logements sociaux s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental pour la construction de logements décents pour les populations camerounaises. Mais le titre est en réalité trompeur, car il ne s'agit pas simplement d'un projet d'habitat, mais d'un projet de développement urbain, économique et industriel, visant à la création d'une industrie camerounaise de construction et de bâtiments qui puisse accompagner le développement d'une entière filière locale dans le domaine des constructions. Le projet consiste dans la première phase à l'implantation d'une base industrielle de 20 hectares pour la création d'usines de production d'éléments préfabriqués de matériaux de construction qui seront donc en grande partie produits sur place et pas importés. Cette étape sera suivie de la construction d'un premier lot de 1 000 logements. La phase 2 prévoit la réalisation de 9 000 logements par lot de 1 000, accompagnés d'équipements collectifs de base à vocation administrative, éducative, sanitaire, culturelle, sportive et d'autres. Célébration de la 32e édition de la Journée internationale de la femme. Le gouverneur de la région du littoral a procédé hier au lancement des activités y afférentes dans la ville d'Edéa. C'était en présence de nombreuses femmes venues des 4 départements que compte la région du littoral. Didier Nabaoui, Salman Béas pour les détails. En prélude à la célébration de la 32e Journée internationale de la femme, le 8 mars 2017, c'est à Edéa, dans la Sanaga maritime, que le secrétaire général de la région du littoral, représentant le gouverneur de la région, a procédé ce mardi 28 février 2017 au lancement régional des activités liées à la semaine de la femme pour le littoral. Devant un parterre d'autorités venues des 4 départements que compte la région du littoral, la cérémonie s'est ouverte sur une forte animation des femmes regroupées dans les réseaux d'associations féminines et l'inauguration d'une mini-foire à l'esplanade de la maison du parti des DA, lieu des cérémonies. Le thème déjà de cette année qui est assez particulier et qui invite à une mobilisation importante, notamment pour, concernant la sensibilisation des femmes. L'on a retenu que la communauté nationale, voire internationale, devrait autant que faire se peut s'approprier le thème de soubassement de la célébration du 8 mars 2017 au Cameroun, question d'en dégager l'opportunité et surtout la mission dans laquelle il les engage. Il y a un fonds de financement des opérations, des activités des femmes génératrices de revenus que nous mettrons en place dans le cadre de notre province. Faut-il le rappeler, le thème de la 32e journée internationale de la femme n'est autre que les femmes dans un monde de travail en mutation. Planète 50-50 d'ici 2030. Et apporter sa contribution dans le développement du Cameroun. Maintenant, dans un monde de travail en mutation, planète 50-50 d'ici 2030. Et apporter sa contribution dans le développement du Cameroun. Maintenant, un monstre s'en aille ou encore un médecin qui propose à une mère d'enfant trisomique de lui injecter un produit afin que son enfant parte. Autant d'histoires vraies, malheureusement, qui démontrent de la grande méconnaissance des maladies rares et de l'enfer que subissent les personnes atteintes et leurs proches. Dans l'imagerie populaire, les maladies rares sont très souvent associées à une malédiction, un mauvais sort ou la conséquence de la violation d'un interdit. Pourtant, près de 7000 maladies sont concernées. Elles sont dites rares lorsqu'elles touchent moins d'une personne sur 2000. 80% d'elles sont d'origine génétique et 65% graves et invalidantes. Pratiquement tous les cancers de l'enfant sont rares parce que posant le problème du traitement. Parmi les maladies les plus fréquentes, la sclérodermie systémique, qui est une maladie généralisée qui se caractérise par un durcissement de la peau et d'autres organes comme les poumons ou le cœur. Et la myasthénie acquise, qui est une maladie auto-immune entraînant la faiblesse musculaire avec fatigue.
En religion, ce 1er mars démarre le carême, 40 jours durant lesquels les chrétiens catholiques du monde entier devront prier, jeûner, mais également partager. D'ailleurs, ce mercredi, c'était le mercredi des cendres, Auriane Danquin. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Ce geste de pénitence anticipe aussi la victoire pour qui s'engage à faire confiance à Dieu. Cette journée est donc marquée par l'imposition des cendres. Qui est une symbolique qui vise à rappeler aux croyants, n'est-ce pas, qu'il a été tiré de la poussière et que c'est à la poussière qu'il retournera, ou aussi, n'est-ce pas, puisqu'il est poussière, qu'il a véritablement besoin de Dieu dans sa vie, donc il doit croire à l'évangile et vivre en conformité avec, n'est-ce pas, l'évangile. Ce 1er mars est mercredi de cendres, il marque le début du carême correspondant à 40 jours de jeûne chez le chrétien. Le but du carême, en réalité, c'est une journée spéciale pour nous. C'est un engagement également aussi pour les chrétiens de changer de vie, de se repentir, de quitter tout ce qui est obscur et vivre à l'exemple du Christ. Pendant ce moment, la prière reste le maître mot. À travers la prière, le chrétien renoue le contact avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de la prière communautaire, elle est importante, mais aussi de la prière personnelle, qui ne va pas s'arrêter au simple récit des prières, n'est-ce pas, stéréotypées. Il faut que le chrétien lui-même, n'est-ce pas, apprenne à prier à partir de l'esprit qui lui a été donné dans son baptême. Période de réconciliation et de reconversion, prière, jeûne, humilité, aumône aux pauvres, sont quelques comportements prescrits par le Seigneur et à adopter. Nécrologie, Joseph Bouy n'est plus. L'ancien ministre de l'Éducation nationale et ancien député est décédé hier à Paris. Il était alors âgé de 79 ans. Évocation de l'homme, le multiplicateur d'école, comme on l'appelait communément avec Inès Pangan. Ce 21 avril 2017, il aurait soufflé sur sa 79e bougie. Lui, le professeur Joseph Mbouy, membre influent du conseil exécutif de l'UNESCO, membre fondateur de l'association traditionnelle Mbok-Lia, ancien ministre de l'Éducation nationale entre 1989 et 1992, doyen de la faculté à l'ancienne université fédérale, conseiller technique à la primature entre 1976 et 1984 et aussi ancien enseignant à l'université de Bordeaux en France. Un background impressionnant d'administrateur. Je venais de faire sa connaissance pour la première fois comme mon oncle. Il enseignait à l'université, il était doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. Après, il a été directeur de l'ONARES, Office national de la recherche scientifique et technique, qui avait remplacé l'Orstom. Je sais aussi qu'il a été secrétaire général du ministère des Mines. Élu en 2002 pour la première fois à l'Assemblée nationale sous la bannière du RDPC, le député de la Sanaga-Maritime fait découvrir à ses proches d'autres facettes de sa personnalité. Mon oncle était un homme débonnaire. Débonnaire, ça veut dire que quand on le voyait, il était toujours souriant comme quelqu'un qui ne peut jamais se fâcher. Donc c'était un homme bon. Même comme honnêtement, je peux dire que la politique là un peu changé, non pas un homme mauvais. Le professeur Joseph Mbouy, décédé le 27 février 2017 des suites de maladie dans un hôpital parisien, laisse des proches éplorés. Et à Yaoundé, Mireille Siabdié s'est rendue au domicile du défunt, larmes et tristesse. Les membres de sa famille et ceux qui l'ont connu avaient beaucoup de mal à cacher leur peine. Reportage. Après un long mois de combat et 3 mois d'hospitalisation en France, la maladie a finalement eu raison du professeur Joseph Mbouy. À son lieu d'habitation, ici à Yaoundé, tristesse et consternation s'entremêlent. C'est une bibliothèque qui s'en va là. Il devrait être un exemple pour nous les jeunes Camerounais qui avons une lourde charge de bâtir notre nation. Ancien enseignant à l'université de Bordeaux en France, Joseph Mbouy a été aussi un membre influent du conseil exécutif de l'UNESCO.
L'épaisseur de son curriculum vitae en dit long. Doctorat d'État, S-Lettres, option sociologie en 1971, chargé de cours complémentaires à l'Université de Bordeaux entre 1963 et 1971, date à laquelle il devient le plus jeune doyen de faculté de l'Université fédérale du Cameroun de 1971 à 1974. Il a alors 33 ans. Après les amphis qu'il fréquente d'abord en tant qu'étudiant au début des années 60, puis comme enseignant et chercheur dès 1971, Joseph Mboui devient directeur de l'Institut des sciences humaines entre 1975 et 1976, avant de s'installer dans le service du Premier ministre, où il occupe le poste de conseiller technique pendant 8 ans. Puis est nommé secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, qu'il retrouve après un bref passage au secrétariat général du ministère des Mines le 23 avril 1989, cette fois-ci en qualité de ministre de l'Éducation nationale du Cameroun. La dernière fois que ce député de la Sanaga Maritime s'est exprimé au micro de Spectrum Télévision remonte au mois de novembre 2016. Il donnait alors son point de vue sur le nombre de manuels scolaires inscrits au programme dans le système éducatif camerounais. On a tranché que peut-être par matière il y a un ou deux livres. Si ce n'est un seul, eh bien tant pis pour les autres. Parce que proposer 7, 8, 9, 20, je ne sais pas quoi, d'année en année, ça me paraît... le refus de décider. En politique, Joseph Mboui, membre titulaire du comité central du RDPC, a été président de la section RDPC de la Sanaga Maritime. En 2002, il est élu député de la nation dans la même circonscription administrative et réélu respectivement en 2007 et 2013. Joseph Mboui est né le 21 avril 1938 à Etoura, par Idéa, dans l'arrondissement d'Ongoui. En évacuation sanitaire en France depuis quelque temps, il décède ce 28 février 2017 à Paris. Joseph Mboui allait souffler sur sa 79e bougie le 21 avril prochain. Que dire si ce n'est que son âme repose en paix. Et puis sport pour finir, on parle de la tournée du trophée remporté par les Lions Indomptables lors de la toute dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Gabon. Alors que le dit trophée est aujourd'hui dans l'Adamawa, je vous propose de revenir sur l'étape Extrême Nord, c'était lundi dernier. À l'occasion de la tournée de célébration du trophée remporté par les Lions de Montagne, Gabon 2017. Dans la ville de Maroua, et comme il fallait s'y attendre, c'est une foule indescriptive qui a accueilli la caravane du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. De l'aéroport de Maroua-Salak, aux différentes artères qu'ont emprunté les Lions Indomptables, les populations se sont amassées le long des rues pour communier, voir, toucher et immortaliser ce trophée. La présence d'un fils de la ville de Maroua, Ali Mboukar, qui détenait d'ailleurs le trophée, a marqué les esprits, d'où ses cris de joie et autres chansons entonnées à l'unisson en la gloire des héros. La forte délégation qui a effectué le déplacement est conduite par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique. Au campus principal de l'université de Maroua, au Lamida de la ville ou encore ici à la place de fête, l'émotion est débordante. Est venue mettre fin à cette belle fête, laissant des souvenirs indélébiles dans les mémoires. Rideau sur le 19h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 19h, sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr tu le veux. Bonsoir. STV, your TV.